Franco Le Mignon célèbre un an d'anniversaire en tant qu'influenceur. Comment réussir sa Saint-Valentin? Hey coach, tu dis quoi? Comment réussir sa Saint-Valentin? Qui peut répondre? Go, vas-y voir. Bon, je vais chercher ça sur Google. Quoi? Je vais chercher ça sur Google. Hey! Non, la mère n'écrit pas. C'est pas tout le monde qui connaît cette histoire. C'est la magie. C'est vraiment la magie, maman. Hein? La mère, tu peux répondre? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. Imaginez un peu. J'imagine vraiment la mère. Elle est vraiment vieille. Prenons une jeune fille, voir. Ok. Bé, comment réussir la Saint-Valentin? Bé, ne me mets pas déjà les choses là dans la tête. Ok, bé, mais tes parents ne font pas ça aussi. Chaque temps. Voilà, ça veut donc dire que ton frère peut répondre, non? Vas-y, mon frère. Et ben, encore l'âge de parler des femmes. Eh oui! Bon, ça va, une vraie maman alors pour répondre à cette question. Mais vraiment? Non, pas toi, plutôt la maman d'à côté là. Tu crois que les gens sont des. Sont à la chute de... Je demande qu'un. Non, papa, laisse qu'elle s'agite. Maman, sauve l'honneur, s'il te plaît. Il y a une maladie qu'on appelle la fatigue. Eke, tu parles de quoi, la mère? La fatigue. C'est quel genre de maladie encore? Ça, là, très souvent, là, c'est les femmes mariées qui ont cette maladie-là. Hey, la mère, explique-nous un peu. Mais si je suis fatiguée, je fais comment? Quand tu étais chez tes parents, là-bas, tu n'étais jamais fatiguée. C'est quand tu es rentrée dans le foyer, là. C'est que surtout quand t'as mis bang au doigt là, c'est fini. Hey, laisse les gens. Non, la mère, laisse, on va revenir sur ton dossier là. Parlons d'abord de la Saint-Valentin. Voilà. Coach, tu nous disais quoi? Comment réussir sa Saint-Valentin? Explique-nous alors, maman, personne ne connaît vraiment. C'est-à-dire que je vais vous donner comme ça, je vais vous montrer des astuces, je vais vous montrer des petits trucs comme ça que vous allez prendre pour pimenter votre intimité. Ok, maman, vas-y, on t'écoute. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Là, tout le monde connaît déjà? Oui, c'est une fête. C'est-à-dire que c'est le jour où on célèbre l'amour. C'est le jour où vraiment les amoureux font des choses vraiment spéciales. Là aussi, on connaît déjà. Pas ça l'essentiel. Je dis, toi, une femme, quand tu sais que c'est la Saint-Valentin, le jour même de la Saint-Valentin, il faut que tu saches que... Coach, prends un petit verre, le temps de passer ce petit message aux fans avant qu'on le continue. Oui. Alors, la Saint-Valentin. J'aimerais rappeler rapidement à toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin d'une formation professionnelle en stylisme, modélisme, haute couture, décoration événementielle, esthétique, cosmétique et parfumerie, coiffure professionnelle. Appelez rapidement à ces numéros qui s'affichent en bas de cet écran. Mandat Créa est situé à Eldorado Nkomo et ce sont des formateurs qui ont au moins 25 ans d'expérience qui vous donnent cours. Ok. Coach, continue. Je dis les femmes. Soyez en escarpin. Hein? Portez des talons hauts. Ah bon? Les hommes, soyez en sous-vêtements blancs. Hey! Hey! Waouh, le père, calme-toi, tu écoutes. Vous racontez quoi? On parle de la Saint-Valentin. Comment marcher donc avec les escarpins? C'est-à-dire que quand tu portes des escarpins, toi, une femme, ta démarche déjà, vous voyez, ça te donne déjà une belle silhouette. Ah ah. Comme ça. Voilà, c'est-à-dire tu te déhanches comme ça. Tu fais quoi comme ça? Waouh, mon petit lait, ce n'est pas ton niveau. Et maman. Non, mon petit lait, il ne considère même pas, je t'excuse, je te comprends. La mère, est-ce qu'il y a une manière de le jour de la Saint-Valentin? D'habitude, tu as une façon de t'asseoir ou tu t'en fous, blakata. Tu t'assois comme ça. Tu te cambres comme ça. C'est-à-dire tu te cambres. Tu bombes ta poitrine et puis tu t'assois comme ça. Vous comprenez dans la compréhension? Coco, tu comprends ça? Pardon, j'ai soulevé mon congé. Massa, les voilà, elle prépare le congé le jour de la Saint-Valentin. Hein. C'est souillant, hein? Même vous parlez, je suis dépassé. Hey, et ça te fait rire. Bref, coach, continue avec les choses. Quand tu t'assois, s'il te plaît, on t'a pas dit d'écarter tes jambes. Ma soeur, ça te surprend. Écoute seulement. C'est-à-dire que tes cuisses sont collées comme ça. Tu te mets sur le côté et puis tu t'assois en te cambrant comme ça. Si on n'écarte pas, on peut les soulever alors. Et quand tu t'assois comme ça, tu croises tes jambes. Voilà, tu croises tes jambes. Et pour celles qui ont la poitrine comme toi. Donc, c'est-à-dire que ta poitrine, tu es cambrée comme ça et puis tu croises tes jambes. Et le regard doit être peut-être comment? Tout ce que tu es en train de faire, tu le fais. Mais c'est-à-dire ton regard ne doit pas être ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est ça. Vous savez, la séduction se passe dans les yeux, dans les regards. C'est vrai. Oh, pays. Je suis peur. Et l'habillement ce jour-là, ça doit être comment, coach? Toi, une femme même, c'est-à-dire que, voilà, pour séduire ton homme, regarde l'ensemble que tu vas mettre, par exemple. Regarde comment c'est beau. Waouh, c'est vraiment vrai. Regardez un peu comment la voisine est belle avec cette tenue. Voilà, quand tu t'habilles comme ça, même le voisin est content, hein, voisin? Donc, ma soeur, avec tout ça, l'homme doit être seulement fou alors. Tu sens même la sensualité. Tu sens même le mongouli.
tu sens même, c'est-à-dire que l'homme même, il te parle dans ses baras comme ça, il te serre comme ça, il te mange jusqu'à... il te mange. Bon, ça va, on a compris, non? Ça va me laisser, Seigneur. Je te dis que... Bon, la mère, tu disais que les femmes mariées ont quel problème? C'est que tu courais après mariage, là. Tu as prié, tu as gêné, c'est que tu as fait d'autres, mais sont allés faire des bagbagis, sont allés faire des choses pour pouvoir avoir un homme, pour pouvoir se marier. C'est que tu t'es mariée, là. C'était dans quel but? Maman, moi je me pose souvent cette question. Tu penses que quoi? Il a des soeurs qui peuvent envoyer chez lui là-bas pour aller manger sa nourriture. Et puis il va s'occuper d'elle. Si c'est pour ça là, il y a sa maman qui est là. Vous comprenez? Mais là, si ce sont ses habits là, il y a blanchisseur du quartier, il y a pressing. Maman, si c'est la nourriture là des restaurants. Maman! Explique bien à nos soeurs là. Et la seule chose qu'il ne peut pas faire comme ça, c'est que c'est un homme qui est posé là. Qui ne peut pas se promener pour faire là. C'est le sexe. Vous comprenez dans la compréhension? Maman, l'histoire de fatigue, elle est... nous-mêmes, ça nous dépasse déjà. C'est que quand tu rentres, vous entrez dans le foyer, là. Vous avez cette maladie-là, la fatigue. Ça peut être ça, honnêtement parlant. Le sexe, là, c'est très important chez l'homme. Vous comprenez? Vas-y, maman, elles sont en train de comprendre. Le sexe, très important. Si tu veux un foyer stable, un homme épanoui, c'est seulement parlant. Il faut l'aider à s'épanouir sexuellement parlant. C'est vrai. La mère, tu les conseilles donc quoi? À 80% là. C'est pour ça que tu es assise dans sa maison. C'est pour ça qu'il allait dépenser. Il a fait tout. C'est comment on dit, on va vous marier là. Où? C'est que tous les amis vont les citer. Il faut faire ceci. C'est ça qui a la mode. C'est cette robe qui a la mode. C'est cette chérie qui a la mode. C'est que le gars il dépense jusqu'à... à cause de ce petit jardin là. Quoi? À cause de ce petit jardin là. Vous comprenez dans la compréhension? Tu penses qu'il attend quoi en retour de toi? Il attend quoi? Qu'est-ce que tu peux lui offrir? En vrai? Elle passe le temps à nous faire le chantage avec les enfants. Est-ce que tu peux... C'est que les enfants là, c'est le fruit de ce tas là qui sont les enfants. Non, ce ne sont pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants. Voilà, c'est ça. Les femmes, si vous avez compris, et vous les boys, si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.